Et nous terminons ce journal avec une page spéciale consacrée aux Nuits de Nacre de Tulle, 19e édition. L'an dernier, malgré la pluie, plus de 50 000 personnes avaient fait le déplacement. Et un succès qui ne devrait pas se démentir cette année. C'est une édition spéciale concoctée par Anna Déborah Cohen, Virginie Beaulieu, Jean-François Andrieux et Sébastien Bugeaud. Des nuits sous le soleil, que demander de plus? La météo est complice de cette 19e édition, les visiteurs aussi. Pour autant, vous allez le voir, les artistes hier soir qui se sont produits sur le festival, eh bien, étaient des rebelles. Les choses qu'on a envie de dire aux gens, quand on a 20 ans, on a envie de les gueuler aux gens. On n'a pas envie de les dire, on a envie de les gueuler. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que tu peux faire passer le même message en disant des choses calmement et en chuchotant des choses à l'oreille des gens. Le message peut être aussi efficace, sinon plus. Sur les pieds et les pieds dans la tour. Et alors, Blancas, trentenaire assagi, peut-être, mais avec tout de même une sacrée dose d'énergie. Certes, l'ouragan est passé, mais hier soir soufflait pourtant sur Tulle une brise engagée.